Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le World Food Supreme Commander et plus précisément la campagne de l'FTU. Aujourd'hui nous attaquons la dernière mission, l'opération Mur de Pierre en difficulté difficile, donc ça sera pas le plus simple pour moi, donc je serai peut-être concentré, je parlerai pas tout le temps, mais il est temps d'avancer. Notre long combat touche enfin à sa fin, Major. Vos actions d'aujourd'hui détermineront le sort de la FTU contre ses pires ennemis. L'armée des Aeon attaque sur tous les fronts, et les cellules dormantes des Cybrans sur Terre ont été activées pour inciter toute la planète à la révolte. C'est terrible, et cela ne va qu'empirer. Le laboratoire du Soleil Noir est situé ici, sur l'île de Niua, dans la chaîne hawaïenne. Votre mission est simple. Protéger le Soleil Noir pendant les dernières étapes de sa conception. Et une fois opérationnel, utilisez-le. Le capitaine Aiko est actuellement chargé de la sécurité du labo. Elle vous offrira un soutien inconditionnel. Vous avez désormais accès à tout l'arsenal de la FTU. Notre destin repose entre vos mains, Major. Dieu vous garde. Derrière vous se tiennent des générations de soldats qui ont sacrifié leur vie au cours de cette guerre. Ne les décevez pas. Embarquement dans 30 minutes. Eh bien. Les derniers transports sont en route. Les Aeon sont sur eux. Un des transports a été abattu. Major, un des transports convoyant des pièces pour le Soleil Noir a été abattu. Il s'est écrasé sur une petite île dans l'Est. Vous devez obtenir le composant qu'il contenait. Récupérez-le avec un transport et livrez-le au Soleil Noir. Désolé pour la présentation un peu brusque, Major. Je suis le commandeur Aiko. Les défenses de l'île sont désormais sous vos ordres. Le voilà, Major. Il faut juste que nous ramenions ce composant au Soleil Noir. Ouais, calme. Donc déjà, toutes mes usines vont passer navales en Tech 3. Ensuite, ça me prend de la pop pour rien. Là, je vais commencer à produire en masse. Alors, le commandeur IQ Aiko, voilà, ici, est une unité de qu'on obtient avec la porte quantique. En gros, c'est une unité de soutien. Et là, j'aurai besoin de très rapidement énormément. Alors, je construis une chaîne de défense ici, vous comprendrez très vite pourquoi après. Mais elle est indispensable. En difficile, elle est indispensable. J'ai déjà essayé sans. Je me suis pris ma. Ma déculottée, on va dire. J'aimerais bien récupérer en fait ces unités-là. Oula. Voilà. Donc on a un cuirassé, on va construire plein de croiseurs derrière. Ici, on a enfin accès. J'avais oublié que ça coûtait aussi cher. On va améliorer ça. Tourner le navire de telle sorte que tous les canons puissent tirer. Sinon vous perdez une partie de votre puissance de feu et c'est pas agréable. Voilà, il faut utiliser vos défenses.
Voilà. Donc là, vous avez constaté ce que vont nous envoyer en permanence les Aeons. C'est un raid de... Il nous faut ce composant, Major. Sans lui, la FTU périra. Comme terminé. Deux bombardiers stratégiques. Et mieux vaut perdre. Après, à vous de me croire ou pas, mais mieux vaut perdre des défenses que de perdre vos bâtiments de production. Parce que le souci, c'est qu'en difficile, les vagues sont beaucoup plus massives, donc plus dangereuses en soi. Donc là, par contre, je vais vite améliorer en tech 2. Alors, juste une chose, les producteurs de masse produisent 12. Si vous mettez 4 bâtiments autour, ils vont produire 18. On est d'accord. Il est donc préférable de construire des fabricateurs de masse. Vous en fabriquerez plus pour un coût en pop moindre. Encore 6 sortes de coûts en pop. C'est un peu ce qui va rythmer la partie, le coup en pop. On a une population maximale. Bientôt fini. Et ce qui serait agréable, c'est quand même de pouvoir éviter. Il nous faut ce composant, Major. Passons tech 3. Bon, après, il y a aussi la technique, vous sacrifiez des navires pour que... Voilà, bon, il y a énormément de bombardiers stratégiques, ça, on va pas gagner du tout. On va les mettre par contre derrière. Vous allez en produire à l'infini, donc doute. Énergie, ça me coûte déjà autant. J'espère que vous n'entendrez pas aperçu ce qu'il y a derrière moi. Donc hop, 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 hop. Il nous faut ce composant, Major. Sans lui, la FTU périra. Terre-com terminée. Voilà, les défenses commencent à être mises en place. Et j'arrête la production en série, parce qu'il faut que j'économise des ressources. Ben, c'est particulier, c'est pas forcément qu'il faut que j'économise des ressources, il faut que j'ai toujours plus de masse que de dépenses. Donc je suis obligé à un moment de réduire un peu ma consommation en masse. Les ressources. Donc on soit d'accord. Donc pour ça, ben, il n'y a pas 36 solutions, ben, faut produire moins. Alors, au début, c'est nouveau cette stratégie-là. D'habitude, ce que je faisais, c'est qu'au début, étant donné qu'on a un nombre de... On a 12 stocks d'extracteurs de masse, au début, ce que je faisais, c'est que j'allais vers les 12. Je mettais 4 bâtiments autour, pour 4 stocks de masse pour les améliorer, ça faisait 18 par truc. Mais au final, ça rapportait pas assez. Donc, je me suis décidé maintenant à faire cette combinaison là que j'utilise énormément. Ça fait 24 de masse. 1218 x 8, ça fait
9600 et quelques d'énergie utilisée. Donc sur 10 000 produits, je suis en positif. Donc, c'est bon. Sauf que là, je vais produire au lieu de... Pour équivoir ça, il me faut... Récupérer ce composant dès que possible, Major. Le soleil noir en a besoin pour tirer. Il faut que j'améliore... Avec ma technique, il faut que j'améliore... 4 extracteurs. Donc, il faut que je prenne 16 points dans ma pop. Ici, avec 16 points dans ma pop, donc... Enfin, avec 12 points dans ma pop, je suis beaucoup plus efficace et beaucoup plus productif. Donc, cette stratégie-là est la meilleure pour en fait avoir un meilleur. Je m'excuse vraiment pour la perceuse, mais. On va devoir faire avec. Donc, ma flotte de croiseurs, je vais en perdre énormément, mais. Encore plus grave. Alors portable en submersible, on verra plus tard. Ici, on va faire le système de... Même pas, attendez. Ouais, c'est ça. Donc, système de rendement de ressources. Donc là, on a déjà fait un. Ici, on va faire ça et on va en mettre... Ça me produira quand même de l'énergie en plus, et en plus il y a un bouclier qui consommera moins de ressources. Omniradar. Je crois pas avoir d'omniradar. Ah si, voilà. Donc l'omniradar a deux zones. La zone jaune, on détecte toutes les unités furtives. La zone bleue, on détecte toutes les unités non furtives. Non furtives, c'est les unités avec brouilleur. Récupérez ce composant dès que possible, Major. Le soleil noir en a besoin pour tirer. Terre-com, terminé. Cependant, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, le brouilleur n'est pas efficace en cas de confirmation visuelle. Putain, l'ennemi m'a exposé déjà ça là-haut. J'ai exposé ça là-haut. Je vais envahir ce bâtiment là parce que du fait de sa portée supérieure, je peux dégommer la majorité des unités, excepté les autres cuirassés. Oula, oula, oula. Ah, il veut mon cul. Ils veulent mon cuirassé. Je sais pas ce qu'il leur a fait, mais il leur plaît pas. Et la masque, on va vraiment avoir un grand stock. Je vais construire. Prévoir les nukes. Donc les missiles nucléaires, si vous préférez. Alias nuke en anglais. Oui, parce que parfois j'utilisais. C'est mon défaut, j'admets, c'est que je fais des vidéos en français, parfois j'utilise des termes en anglais. Et vous pouvez être perdu, donc je préfère préciser. Donc une fois que j'ai fait ma recherche, là... Il nous faut ce composant, Major. Sans lui, la FTU périra. Ouais, je sais, mais laisse-moi le temps de... Non, 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 replie-toi. Que c'est pas avec 10 000 PV que tu vas faire le malin, toi. Commandeur Aiko, j'aurais besoin de toi là-haut. On va rajouter même un générateur de bouclier. Voilà, ici. Donc ça prend je sais plus combien de temps pour faire l'arme atomique, 8 minutes, voilà.
Mais on aura besoin pour la suite. Là, je m'en construis encore quelques-uns. Alors, j'utilise quasiment pas mes usines là. Récupérer ce composant dès que possible, Major. Le soleil noir en a besoin. Peut-être une erreur. C'est... Je ne dis pas que c'est bien, c'est peut-être une erreur. Mais j'arrive à faire sans en avoir l'utilité, donc... Aiko va me fortifier tout ça. Il construit un peu moins vite que l'UCB. Et là, par contre, je vais commencer à construire des têtes nucléaires de manière infinie. Je vais déjà prévoir la suite. Hop, 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 hop. Je crois que les vaisseaux de combat de niveau 2 perdent leur capacité de transport, ouais. Donc éviter de perdre Aiko, ça serait bien. Classe souverain. Pas mal, le nom. Alors, se fortifie aussi à ma base. Il nous faut ce composant, Major. Sans lui, la FTU périra. Terre comme terminé. Et je vais prévoir aussi 4 générateurs de plus. Ici. Je pensais que l'émissaire avait une meilleure portée. Ah, le missile n'est pas fini d'être construit. Oh. Voilà. Récupérez ce composant dès que possible, Major. Le soleil noir en a besoin pour tirer. Terre-com terminé. Ça c'est bon. Bon. L'arme nucléaire, est-ce qu'elle est prête? Oui, une ogive est prête. Donc je vais pouvoir atomiser là. J'ai dit... Ouais. On stoppe. J'ai besoin d'un transport aérien en urgence. Donc voilà, j'ai déjà l'arme atomique. Ah oui, j'ai oublié qu'ils envoient des escadres renforcer la position une fois que je... Bon, je m'en occupe, là. Enfin, c'est une petite escadre, vous voyez, plein de frégates. Un croiseur et plein de frégates. Il nous faut ce composant, Major. Sans lui, la FTU périra. Terre comme terminée.
Non, non, non. Repose-le. Voilà. J'ai eu chaud. En fait, j'avais peur que... Je vais être sincère, j'avais peur que sa destruction détruise mon... Enfin, détruise le composant. Donc j'ai préféré le reposer en urgence. Ah d'ailleurs, j'ai pas fait en dernier niveau ça. Pas bien. Bon, moi, le composant, je peux le ramener maintenant. Ah, c'était fastidieux quand même pour l'avoir. Et là-haut, j'ai bientôt mes Mazda, mon artillerie qui est bon. Alors, ça, c'est le centre de, contrôle, tu le protèges pour éviter qu'il soit détruit, bien évidemment. Enfin, bien évidemment, pour moi c'est une évidence qu'il faut le protéger. C'est comme le soleil noir, faut éviter que l'un ou l'autre soit détruit en fait. Ouais, il est là, le composant est arrivé. Nous atteignons le point culminant de nos efforts, Major. Nous ne nous rendrons pas, nous ne céderons pas. La victoire sera nôtre. Zone d'opération élargie. Le soleil noir est presque prêt à tirer. Il faut juste que nous tenions encore un peu. Et là, on va transformer... Major, nous avons détecté des unités ennemies au sud-est. Cela pourrait être les Aeon. Envoyez un éclaireur. Et si ce sont eux, éliminez-les. Terre-com terminé. Major, nous avons confirmé la présence d'un commandeur Aeon sur une île au sud-est. Nous devons détruire toutes les forces ennemies sur cette position. Bah... L'importance de l'ogive dans cette... Il y a trois flottes massives en fait qui vous arrivent dessus. Enfin, on a déjà que je détruis des croiseurs en priorité. Voilà, une fois ça fait, vous détruisez ça. Lancement stratégique détecté. Ouais, heureusement qu'il y a ça. Et heureusement que pour ceux qui l'oublient, il y a des carapaces, ils ont déjà armé la défense. Et voilà, l'ennemi va envoyer, va tenter de débarquer. Le problème, c'est que ça prend du temps à construire les armes nucléaires. Donc là, le bouclier a été construit. C'est vrai qu'avoir trop... Je vais faire une porte quantique, je vais appeler trois autres commandants. Enfin, commandeurs. Cette énergie en plus, c'était pour... pour pouvoir faire face à une nouvelle demande en fait pour les boucliers. C'est pour ça qu'il avait anticipé la révolution.
Lancement stratégique détecté. Il m'a pas touché mon arme nucléaire. Ah oui, il y a des défenses de missiles tactiques, je suis bête. Voilà. J'ai fait énormément de cuirassés, ce que au final ils font quand même assez... Ouais, c'est ça qui était quasiment mort tout à l'heure. Donc toi tu vas me balancer nuke ici, cher commandant. Et là je vais appeler 3 unités de commandant de soutien. Travaille aussi vite que possible, mais il leur faut un peu plus de temps. Détruisez les aéons. Il y a quelque chose qui empêche que je... les attaque au nuke. Non, bah tant pis, de manière traditionnelle, on envoie... Quoique... Ouais, quoique ils sont morts. Je sais pas. C'est... Laissez pas les Aeons attaquer le Soleil Noir. Tercom terminé. Voilà. Une fois que j'aurai déjà dégommé leur flotte, ça devrait déjà être un peu plus simple pour moi. Combien de temps pour qu'on sent un fat boy? 3 minutes 20. Donc on sait à les construire. J'ai donné fat boy, en gros c'est ma... c'est un prototype d'unité blindée... Enfin, c'est... comment je peux expliquer ce truc? Oh, une attaque d'ingénieur. Oups. Voilà. Ne laissez pas les Aeons attaquer le Soleil Noir. Tercom terminé. Ah mais ils attaquent pas, attaquer le Soleil Noir hein. Ouf.
Voilà. Les techniciens travaillent aussi vite que possible, mais il leur faut un peu plus de temps. Détruisez les Aeons. Et comme faire des chasseurs de supériorité, ce que là-haut, vous voyez, ça diminue quand même. Donc là, vos cuirassés vont rester en fait en position ici pour empêcher qu'ils construisent de nouveaux. Attendez, j'ai cru voir un terre d'artillerie. Si, il y a bien une artillerie. Oh, fait chier. Ouais, il y a bien cette artillerie qui s'est mis en route. C'est jamais gueule. Ah, il est au fond, en haut. Attaquer le soleil noir. Ouais. Je sais pas ce qu'il intercepte ce missile, c'est toujours frustrant à cause de ça. Mais c'est quelque chose intercepte, mais je sais pas quoi. Ouais, bon, on va commencer à pionner à la terre parce que. Putain, ils sont en train de m'allumer le soleil noir. Allez, il y a l'artillerie. Moi qui la cherchais juste. Oh. Les techniciens travaillent aussi vite que possible, mais il leur faut un peu plus de temps. Détruisez les Aeons. Bah, eux, ils auront totalement réparé le soleil noir, c'est parfait. Ils aiment totalement réparer cette unité A aussi. C'est bon, l'artillerie à distorsion est morte. Parle-moi quand même. Bon.
On sait que l'ennemi... Ah, de quoi m'embêter. Je vais faire 3 nouveaux cuirassés, il m'en faut. En fait, je vais être sincère avec vous. Je me souvenais de l'artillerie là, qui construisait ici. Je me souvenais pas de l'artillerie là. Là, je vais mettre. Alors, les Fat Boys, en gros, c'est des usines mobiles. Ça sert aussi de plateforme. Ils ont double plateforme de rapprisonnement pour usines terrestres. Surtout, c'est une unité qui va servir d'artillerie en fait. Est-ce que le canon en distorsion n'est donc l'émissaire n'est pas encore terminé? Je pense avoir le temps de... ou pas. Je vais essayer de construire. D'ailleurs, je vais avancer Nuke maintenant ici. Ça peut faire bien des choses. Ah bon, bah on a un petit problème de... En fait, les unités de soutien, c'est comme des ingénieurs de Tech 3, mais en plus efficace. Ah bah voilà. Le sud de l'île est nettoyé maintenant. Les techniciens travaillent aussi vite que possible, mais il leur faut un peu plus de temps. Détruisez les Aeons. Voilà, donc l'artillerie est terminée. Eh, 35 000 partir. 15 000 partir, ça fait quand même beaucoup, hein.